Bien, c'est toujours Rémi Cabella qui va essayer de trouver une tête opportune marseillaise pour essayer d'arracher ce match nul dans les toutes dernières secondes. Oh, la parade de Diaba, l'égalisation ! L'égalisation ! L'égalisation dans le tout nouveau bout des arrêts de jeu pour l'Olympique de Marseille ! Rabia ! Son premier but en Ligue 1, Antoine Rabia ! Oh, c'est cruel pour le LOSC ! L'égalisation d'Antoine Rabillard, le titulaire qui sera titulaire dans le prochain match à Montpellier, le joueur de la CFA qui a longtemps été blessé, qui n'avait pas tout à fait sa place en CFA à cause d'une succession de blessures. Eh bien c'est lui qui sauve l'Olympique de Marseille après ce coup franc gagné par Chénier de la tête. La faute d'Amalfitano. Il y a eu d'abord une tête. C'est terminé, il y a d'abord une tête marseillaise, un ballon dévié par Enyama et puis Rabillard qui vient égaliser. Ça n'empêche pas le Stade Vélodrome de saluer la sortie des joueurs par une magnifique bronca, puisqu'il a fallu le bout du bout, la fin du match, les dernières secondes, cette faute gagnée par Deschelier et qui permet en deux temps à Antoine Rabillard, l'ex-joueur de l'AS Biterroise, eh bien, de battre Enyama après une première frappe détournée par le gardien de but du LOSC. Match nul au bout du bout, match nul arraché par les Marseillais, match nul chanceux certes, mais match nul. Il est déjà titulaire dans le prochain match à Montpellier, le joueur de la CFA qui a longtemps été blessé, qui n'avait pas tout à fait sa place en CFA à cause d'une succession de blessures, eh bien c'est lui qui sauve l'Olympique de Marseille après ce coup. Le bout des arrêts de jeu pour l'Olympique de Marseille. Rabia. Son premier but en Ligue 1, Antoine Rabia. Oh, c'est cruel pour le LOSC. L'égalisation d'Antoine Rabia, le titulaire qui sera titulaire. Eh bien, c'est toujours Rémi Cabella qui va essayer de trouver une tête opportune marseillaise pour essayer d'arracher ce match nul dans les toutes dernières secondes. Oh, la parade de Diaba, l'égalisation ! L'égalisation ! L'égalisation dans le tout franc, gagné par Chénier de la tête. Faute d'Amalfitano. Il y a eu d'abord une tête. C'est terminé, il y a d'abord une tête marseillaise, un ballon dévié par Enyama et puis Rabillard qui vient égaliser. Ça n'empêche pas le Stade Vélodrome de saluer la sortie des joueurs par une magnifique bronca, puisqu'il a fallu le bout du bout, la fin du match, les dernières secondes, cette faute gagnée par Deschelier.